Si je le mets, on commence la vidéo. Ok. Allez. Et là, il sait qu'il va rouler. On ne commencera pas tant qu'il n'aura pas mis. Allez, c'est parti. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va. Et ça va super. On aura laissé mon raté juste avant. J'espère. Bien sûr. Ça va vous ? Mais super, très très bien. Moi, je suis en bonne forme. Et on peut le dire, on est lundi ou pas ? On le dit pas. On est lundi et on est rentré une petite semaine off. Toi et moi, non ? T'étais off, non ? T'es venu la semaine dernière ? Pas spécialement en plus. Hein. Ben, on sait jamais quand il est off ou pas, tu vois. En vrai, elle n'était pas off. Sa grosse semaine, justement. Hey, mardi, deux jours pleins même. Tu n'étais pas passé au bureau aussi? Oui, mais j'étais pas off. C'est que non, mais il y avait pas, il y avait pas de tournage, tout ça. Tu sais que des fois Ben il vient, mais tu sais pas qu'il est venu. En fait, il est venu pendant une heure et demie faire une relecture avec un monteur, et après il repart, mais tu l'as pas vu. Le pic de la semaine. En fait, à considérer que quand je viens ici, c'est que ça tombait dans mon planning. C'est entre le ciné du matin et le resto après de la ou de l'apéro de l'après-midi, ça se calait bien. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites à Noël? Ma famille. Hein. La familia. Le repas, la grande tablée. Petit cadeau en tête, là ? Ah, moi, je suis très mauvais. J'aime pas les objets. Je vais foncer en carte cadeau Fnac. Ah ouais ? Bien sûr. Ouais. Toi, t'es bon, toi. Après, c'est le neveu ou l'oncle idéal. C'est parfait. Là, vous mettez quoi sur votre lettre au Papa Noël ? Si vous voulez, je commence parce que je sais déjà. Ah, vas-y, ouais. Je vais mettre un générateur électrique qui se recharge à écran solaire. T'as tellement vieilli, mec. Pour générer quoi ? De l'électricité, mais sans être branché. Quand on part dormir en Islande, alors mon petit générateur électrique pour brancher n'importe quoi. Ça, j'aime bien ça. N'importe quoi, c'est le mot. Attends, mais du coup, qui va te le faire ? Danny Briand. C'est normal qu'il éclaire, hein, parce qu'il est brillant. Ouais. Guillaume, tu mettrais quoi toi sur ta petite lettre au Père Noël ? Moi je vois bien Guillaume sur un MacBook Pro 16 pouces plus M1. Absolument pas. 30 000 balles c'est bien. Ah, un cadeau ? Un cadeau 34 ? Ah oui, quand même, d'accord. Non, je sais pas, j'aime pas trop en fait, j'avoue. T'as quoi toi comme cadeau à Noël en général ? Bah rien, des caleçons, des chaussettes. Tu viens nu à Noël toi ? Ils t'ont fait une coupe de cheveux dernièrement, non ? Un truc un peu rigolo. C'est quoi ton cadeau idéal là ? La santé pour tous mes proches. Tu chécoses quand même. Ah mais attends, on est pas manchot. On veut une signature. Je suis très soit bouffe, soit vêtements. J'aime bien comme ça avoir... Je commence à jouer, j'ai pas encore expliqué les règles, mais t'es en train de parler. J'étais pas intéressant, donc... Fred. Cadeau, bonne question. Ah bah toi, t'es très high-tech. Je suis très high-tech, mais là, j'ai tout pris là, cette année, quoi. Toi, si, je sais ce qui te fera plaisir, c'est un sac. Samedi, je suis allé dans le Marais, chez la boutique Sangvis, là, et je veux un nouveau sac à dos. T'as la rêve. Je suis content qu'on le fasse ensemble, parce qu'on est de la même génération. C'est un peu la compétition entre nous de qui se rappellera le mieux des années 90-2000. C'est un jeu sur les années 90-2000, donc il y a les deux décennies. Exactement, ouais, c'est 90-2000. Donc le but du jeu, c'est simple. Chaque joueur à tour de rôle va tirer sa thématique entre sport, petit écran, grand écran, machine de hit, donc musique, fourre-tout et cours de récré. Donc c'est plutôt les jeux, je crois. Ouais. On va pas se mettre la pression, mais je pense qu'on est tous bons, en vrai. De toute façon, ce que m'a dit le fondateur qui s'appelle Guillaume, il m'a dit la compète, c'est bien, mais c'est avant tout le rire. Et c'est avant tout se rappeler des bons souvenirs sur les... Ah bah c'est pas le Dalai Lama qui a dit ça. Non, c'est vraiment Guillaume de Talarev dans mon téléphone. Si on tombe sur une catégorie duel, la personne qui tombe sur la catégorie duel tire la carte, regarde le thème, donc là, il peut le lire dans sa tête, et choisir son compétiteur. Et une fois qu'il a choisi, quelqu'un d'autre, donc qui n'est pas dans le duel, prend la carte et il y a les réponses derrière possibles. Je vais lire l'exemple, du coup, on ne va pas pouvoir la faire dans la partie. Si tu es vainqueur en grand chelem de tennis dans les années 2000, wow, oh là là. C'est dommage, on ne pourra pas... J'aurais peut-être pas facile à prendre, là. Chaque catégorie a un nombre de points, donc 3 points, 2 points, moins 1 point, parce qu'il y a des rêves plus ou moins faciles. Duels valent 3 points de manière générale. Et messieurs, c'est le premier qui sera à 15 points. Ok. Allez. Notez. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? T'as la ref? C'est le joueur qui est né le plus proche du 12 juillet 1998 qui commence la partie. Bah le plus jeune du coup. Tous les lundis du coup c'est le plus jeune. Ouais. C'est tout le temps frais. Et je suis même si t'es que le 12 juillet, c'est quand même toi parce que t'es né 14 juillet. Ouais. Je suis né 14 juillet. Ok, et ben tu as le nez. C'est ça, c'est cours de récré. Allez, j'en prends une au milieu. De quel riche homme d'affaires Tintin déjoue-t-il les plans dans Coq en stock, les cigares du pharaon ou encore le lotus bleu? Dalai Lama. C'est le fameux Rastapopoulos. Oh non, Rastapopoulos. C'est Rastapopoulos. Télé. Avec qui s'est marié Jean-Paul Boer dans la série Plus belle la vie? Ah ouais, mais là... Attends, après tu l'as vu ou tu l'as pas vu, tu vois, c'est dur. Hein. Si je te dis le chauffeur de taxi. Non mais voilà. Samia Nasri. Bah, ça passe plus facile. Rose. Ça fourre tout. Qui est le 44e président des États-Unis élu en novembre 2008? C'est George W. Bush. Oh la honte, c'est la honte, Pierre, c'est la honte, c'est pas possible. C'est pas Obama? Bah si. C'est aussi vu que ça? Bush, W. Bush, il était déjà là au septembre. Ah. Je suis en train de lire sa biographie. Non. Oh non.
Ouais, grand écran. Grand écran. Oh, il a de la chance. C'est donné. Bon, Guillaume, toi, t'es un fan de Marvel? C'est donné. Dans Iron Man, dans quel pays Tony Stark part-il pour faire une démonstration d'armes? Enfin, le signaler, c'est toujours, il m'envoie des messages, Fred, quand est-ce qu'il y a une avant-première de Marvel? Quand est-ce qu'il y a une première? Non, il part en Vietnam. Non, il part en Afghanistan. Ah ouais, ah, à côté, ouais, c'est à côté. T'es pas loin, comme ça, ça, comme quoi ça se joue à une frontière. Mais... Hein. Nous qui sommes fans, faut l'avoir l'Afghanistan. Fourre-tout. Fourre-tout. Quelle loi interdit la publicité pour les marques d'alcool et de cigarettes depuis 91? La loi E20. Oui. Tu parles bien son nom, hein. 3 puntos. Bah, dans mon bouquin, il n'y a pas d'alcool. Je reprends le fourre-tout. Un point. Stieg Larsson est devenu célèbre à titre posthume grâce à sa trilogie roman Millennium. Vrai ou faux? Bah, c'est vrai. Je sais qu'il y a une trilogie Millennium. Après, est-ce que c'est Stieg Larsson? Je dirais vrai. Sans me souvenir qu'il s'appelait Stieg Larsson. Ah oui, bravo. Ça y est, ça commence à se débloquer. Allez, les compères. Très très bien, ça, Millennium. Refourre-tout, ouais. Quel parti politique dirigé notamment par Alain Juppé et Nicolas Sarkozy a été fondé en 2002? Imitation. Je parle de ton fils. Ok. C'est soit de toute façon les démocrates, soit les libéraux, soit les républicains. Non, mais ça, c'est l'UMP. Ah, je peux pas vérifier, mais ouais. 2 points. À moi de lancer le dé, ouais. Oh, c'est le duel, premier duel. Donc là, tu tires une carte au hasard, tu lis le thème. Et je prends celui qui me paraît le plus faible, en gros, dans le thème. Ah, bah, déjà, c'est toi, Pierre, sûr. Allez, vas-y, la politique. Qui sont foot. Ah, Ben, il aurait été bon aussi là-dessus. Citer les 6 titres remportés par le Barça de Pep Guardiola en 2009. La Ligue des Champions. La Ligue Europa. Non, tu l'as. Fini. Quoi, Liga. Coupe du Roi, ouais. Coupe du Monde des Clubs, qu'on appelle ça la Super Coupe d'Espagne et la Super Coupe d'Europe. Et l'UMP. Il est costaud, Guillaume. Je les aurais pas eu, moi. Du coup, il gagne 3 points, là. Allez, let's go. Ah, jaune. De quel pays est originaire Willy dans les Simpsons? Soit un jardinier, je dirais, anglais. Il est écossais. Désolé aux fans des Simpsons, malheureusement, j'ai jamais regardé. C'est pas si beau. Allez, balance du verre, là. On aurait créé, là. Ouais, je pense que tu peux. T'es pas un fan de Pokémon. Ah non. Mais tu peux quand même l'avoir, c'est quels sont les 3 Pokémon donnés au départ des premières versions rouge et bleu. Et ils disent quand même pour t'aider, attention, il n'y a pas Pikachu. Je vais citer 3 que je connais. Est-ce qu'il donne Salamèche? Ouais. Est-ce qu'il te donne Bulbizarre? Oui, ouais. Le dernier, tu l'as. C'est le seul que j'ai. Est-ce qu'il te donne Ronflex? Non. Exactement pareil. Carapuce. Et le cinéma, ma passion. Allez. Je crois que ça va faire plaisir à Ben. Complétez cette réplique culte. Messire, un sarrasin dans... Tu l'as dans le ou pas? Je l'ai. Carapuce, Salamèche et... Non, je t'en prie. Messire, des sarrasins dans une charole du diable, c'est tout ferré, il n'y a point de bleu pour tirer. Et c'est à mourir de rire. Carapuce. Oh, première fois. Sport. Il va l'avoir. Qui a marqué le dernier but de la finale de la Coupe du Monde de football 98? Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, quelle légende. Ah ouais. 2 points. Il a gagné la vidéo foot de Ben. Oh, la musique là. Ah là là, je suis pas le meilleur à ça, mais j'ai regardé Hit Machine avec Charlie Lulu. Comment s'appelle l'alter ego maléfique de Renault? Mister Renard. Tu sais, mais Renault que j'ai saigné pendant 1 an, c'est tout. Cinéma. Oh, le ciné, le Ben. C'est le cinéphile. Bienvenue chez HT. Alors ça dépend de la question. Où? Ça dépend de la question. Philippe Abrams est-il muté dans Bienvenue chez Ch'ti? Bah il est muté dans le Nord. Moi je crois que c'est Berk. Berg. Ah bah, je l'aurais pas eu. Eh bien c'est à moi. Allez de la politique. Une machine avec toi. Je veux un Danny Briand. Quel groupe mené par Kurt Cobain a connu un grand succès avec l'album Nevermind? Nirvana. Quand même. Oh, le versus. Et tu choisis ton opposant. Qui veut des points, hein? Allez, ma belle, vas-y. Citer les membres de la famille Camden dans 7 à la maison. Alors? Je sais que je les ai tous. Il y a Brian. Fini. T'en as? J'adorais le personnage de Jessica Biel. T'as pas? Tyrone. Eric, Annie, Rosie, Lucie, Matt. Rosie. C'est la petite Rosie. Bon, pas de points pour vous. Pas de points. Je veux une question. Duel. Point qui en duel là? Pas Guillaume déjà. Pierre Cross. Aïe. Je prends Guillaume en arbitre. Citez les joueurs de l'équipe type de Hand, championne du monde en 2009. On l'a croisé à l'avant-première du dernier duel, Karabatic. En fait, ils sont 2 frères, donc Karabatic. Lucas, mais je crois qu'il y est pas, Lucas. Non, il y est pas. J'ai Narcisse. Ouais, il y est. Allez, balance du petit écran. Comment s'appellent les deux chirurgiens esthétiques et personnages principaux de Nip Tuck? Je les vois les deux en plus, les deux gars. Mais alors, les prénoms. Mais oh là là, mais c'est que du all-in sur Vérequin. Christian Troy et Sean McNamara. Non mais non. Qui est président français actuel. Duel. Je prends contre Guillaume, mais je suis même pas sûr d'en avoir moi. Citer les personnages présents dans le SAV des émissions d'Omar et Fred. Bah alors tu m'as plus en soirée, je sais pas les personnes, non, je... Bah et Doudou. François le Français, ouais, super connard, ouais. Monsieur Vérité. Bon, il gagne là. Oh là là. 8 points pour Guillaume déjà, attention. Attention Guillaume. Jaune. Hey.
Pardon. Attention, dans Camara Café, qui Jean-Claude drague-t-il d'une façon plus que lourde sans jamais parvenir à ses fins? Ça doit être la directrice commerciale ou le nom, je l'ai plus. J'ai la directrice administrative. C'est un prénom, on cherche un prénom. Nancy, la belle Nancy. Allez, à Ouama. Le fourre-tout. Pouf. Combien valait par mois l'offre d'accès internet illimité d'AOL dans les années 2000? 99 francs, 99 euros ou 99 dollars? C'est vrai qu'à l'époque ça coûtait 15 euros alors que maintenant, après le service a évolué. Hein. Allez, je dis 99 euros. Et c'est 99 francs. Ah, ok. Allez, fais péter la petite lucarne. Qui a gagné la première édition de Love Story avec Christophe? C'était Loana. Oh là là, j'étais pas sûr, c'était elle. Avec Christophe, par contre, j'aurais pas eu le deuxième prénom. J'ai Jean-Edouard. Oh, le cinéma, c'est déjà un point pour Crosby. Pierre, t'es chaud au cinéma ou t'es naze? Naze. Quel métier exerce Oscar Schindler dans le film La Liste de Schindler? Comme ça, je dirais avocat. Non, c'est un industriel, mais chef d'entreprise en gros. Mais ils ont des avocats dans l'usine, parce qu'au cas où il y a des procès. Il a peut-être une année de formation juridique. Jaune. Allez! Oh là là, et allez! Il y a de la chance, apparemment. Contre qui les humains se sont-ils battus dans Battlestar Galactica? Ah non. Je me suis fait avoir. Contre Alien? Non, c'était petit écran et c'était contre les cyclones! Alright. Allez! Jaune. Dans Friends, quel est le numéro de l'appartement de Monica? 23. Le 20. Oh là là, je suis deg. Allez! Bleu. Oh, un peu de sport, tiens. Ah. De quelle nationalité était le grand champion de saut à la perche, Sergei? Sergei Bubka. Bah, je dirais russe. Il était soviétique, mais après, quand ça s'est séparé, c'était ukrainien. C'était pas russe. Bon, j'ai pas le point. Allez, à moi. Allez. Allez, encore! Petit écran! Je sais qu'en plus tu connais un petit peu. Dans Big Bang Theory, comment se nomme la voisine de Leonard et Sheldon qui rêve d'être actrice? Je l'ai! Il l'a! Oui, mais le prénom, je suis naze en prénom, je. Madison? Oh non! Je peux le dire? Penny. Penny. Penny, mais j'ai pas les prénoms, je n'y arrive pas. Même Barack Obama, j'ai pas trouvé le prénom. Sport. QCM. En quelle année l'équipe de France féminine de handball a remporté son premier titre mondial? 97, 2003, 2006. Ah ouais. T'es joué entre potes, hein? T'es joué entre potes, hein? Sûr que c'est pas 97, j'ai juste entre les deux, je veux dire 2006. Faux! C'est 2003. Pardon, c'est un peu cruel ce que je viens de faire, mais je le fais à mes nièces. Duel! Allez! Je pense sur Pierre. Aïe, 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 aïe. Citez les émissions de télé-réalité d'enfermement sorties dans les années 2000. Bon, je commence, hein, mais bon, Love Story. Il doit y avoir un premier Secret Story. Ouais. Star Academy. Il y est pas. Bon, j'ai pas. Mais je pensais, j'étais sûr de moi sur la Star Academy, mais bon. Bravo, Pierre. 3 points là-dessus. Et quelle culture? C'est bleu, je crois. C'est bleu. C'est sûr qu'il a. En golf. Sûr, en golf. Bien sûr. Qui détient le record de semaines consécutives au premier rang mondial avec 287 semaines? Est-ce que c'est pas Tiger Woods? C'est Tiger Woods! Il a 2 points. Oh, cinéma, ma passion. Et bah là, je suis à 2. Oula, oula. Oui, vas-y, Guillaume, fais-moi rêver. Oh. C'est drôle, il faut expliquer pourquoi. Je sais même pas si vous avez la rêve, vous. Dans le Dîner de cons, comment s'appelle le livre écrit par Leblanc et Christine? Je jure le rire parce que c'est le seul. Enfin, c'est le film très, très, très connu que tout le monde a vu d'humour. Que Pierre n'a pas vu? Pierre n'a pas vu. Oh là là, c'est dur. Soit je dis n'importe quoi. Ouais, j'ai pas. Y a pas un truc de cheval blanc, un truc comme ça? Pas cheval blanc, mais il y a cheval. Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Attends, Guillaume. J'ai fait vert. On cherche un objet. Quel objet permet à Mario de lancer des boules de feu? Une fleur. La fleur de feu! Ah, mais je l'avais même pas, tu vois. Moi, j'adorais, c'était sa petite casquette de trappeur, là, quand il volait. Oh là, c'est génial, là. Avec le petit de raton laveur, là. Oh là. Je l'adorais, celle-là. Oh là, ça nous rappelle notre enfance. Duel. Allez, c'est rien que ça va du-du. Rien que ça du-du. T'es prêt? Allez, je le fais contre Ben et je lui fais un cadeau. Citez les jurons favoris du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin, c'est Fred qui commence. 1 000 milliards de 1 000 sabords. Marin d'eau douce. Non, moi j'ai pas. Bachibouzouk. Il y en a un autre qui est très connu, Tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest, évidemment. Ouais, marchand de Brest. Jaune. Quel personnage du Fort Boyard est très âgé et arbore une grande barbe? Père Fouras. Oh là là, c'est parti, la remontada. Je peux les aligner. Transport pour Corse. Quel cycliste français a remporté 7 fois le maillot du meilleur grimpeur du Tour de France entre 1994 et 2004? Allez, mon cross. Ah, j'en étais, il avait un personnage dans la guignole de l'info. Richard Virenque. Ouais, allez, 2 points. Jaune. Quel journaliste a quitté la présentation du journal du 20h de TF1 en 2008? Oh, Jacques-Claire Chazal. Là, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Allez, Sinoche. Comment s'appellent les trois frères dans le film du même nom? Je sais pas. Faut vous connaître par cœur le film. Didier, Bernard et Pascal. Hein? Comme en vrai. Vérité sur ce film, je l'ai regardé tous les jours, pendant 30 jours, pendant les vacances de quand j'étais petit. Mais je comprends aussi. Moi aussi, Tortue Ninja 2, j'avais qu'une cassette. Il est mieux les trois frères que Tortue Ninja 2. Même si après le Nil est très joli. Allez, parle-moi de Sinoche. Dans quelle entreprise travaillent Philippe Abrahams et Antoine Bayeul dans Bienvenue chez Ch'ti, toujours? Bah, la poste. C'est la poste. Oh là là, quelle remontada! 1, 4, 6, 7,
9 points. Belle remontée. Et c'est un duel. Je vais peut-être le faire contre moi. Tu vas perdre. Contre Ben. Oh, contre moi, t'aurais pu aussi être tranquille. Hein. Citer les Pokémon de type feu dans les jeux. Évidemment. Pokémon rouge et bleu. Je commence par Salamèche. Dracaufeu. Flamèche. C'est pas Flamèche. Je dirais Bulbiflamme. Allez, Guillaume, va la chercher cette victoire là. Pardon. Grand écran. Dans Ratatouille. Oh là là, le fan de Disney. C'est le fan de Disney. C'est deux points. Allez, donne-lui. Comment Rémi guide-t-il Alfredo Linguini dans la cuisine? Comme un chef d'orchestre. En gros, tu sais, il est dans sa toque et il lui tire les cheveux. Allez, la musique, on a pas gassé la musique là, ouais. Quel est le premier tube sorti par Camini? Marley Gaumont. Et il prend un point. Allez, c'est loche. Quel Jedi est le seul à avoir un sabre violet dans les films Star Wars? J'irai Obi-Wan. Non, c'est Anakin Skywalker. Mace Windu. Jaune. Oh, le cadeau. Sur quelle chaîne l'émission Love Story était-elle diffusée? M6. D'accord. 2. Duel. Allez, citer un maximum de joueurs de l'équipe de France victorieuse de l'Euro 2000. Pierre. Thierry Henry. David Trezeguet. Zidane. Didier Deschamps. Barthez. Franck Leboeuf. Viltord. Yuri Djurkaeff. Pires. Lilian Thuram. Lizarazu. Emmanuel Petit. Vira. Nicolas Anelka. De Sailly. Je tente un truc, mais parce que j'ai plus de joueurs, je tente un charpentier. Ah, c'est charbonnier. c'est pas le même métier. 13 points. Guillaume, au prochain tour, ça peut être déjà plié. Wouh ! Fourre-tout. Combien de caractères maximum pouvait contenir un SMS? 100, 160 ou 240? Je vais me baser sur une rêve que j'ai de Twitter. Et Twitter, le caractère maximum au début, c'était 160 caractères. Et là, c'est passé à plus, mais je dirais 160. 160! Wouh ! Allez, ciné ! Dans Brice de Nice, quel objet Brice amène-t-il partout? Sa planche. Ouais. Attends, là, t'as combien de points, Ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore du sport pour Coras, allez. Quel Brésilien dribbleur et fêtard? Ronaldinho. Allez! Attends, combien de points, là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attention, Guillaume, pour aller chercher la victoire sur ça. Cinéma. Ton, c'est un point. C'est pas vrai. Dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, de combien de mois dispose Numéro Bis pour construire le palais de César? 2, 3 ou 5? C'est perdu en fait, dire 2. C'est 3 mois. 3 mois? Bon, là j'ai que 10 points, je suis un peu loin. Allez, sport! À quelle hauteur Sergueï Bubka a-t-il sauté à la perche lors de son dernier record du monde en 94? 6,05, 6,10 ou 6,14? Vous savez quoi? Je dis 6,10 parce que c'est ma première impression. 6,14. Oh putain, j'étais pas loin. Ah, je m'en veux là. Allez, fais péter la petite lucarne! Qui était le tout premier bachelor en France? Qui était le tout premier bachelor en France? Maxime Michael? Olivier. Pierre là peut gagner sur cette question, hein. Machine 8. C'est un point. Comment s'appelle le titre que Christina a interprété avec Pink, Mia et Lil Kim pour le film Moulin Rouge? Madame Salade, Lady Marmelade. Lady Marmelade. Ou Lady Salade de fruits. Ça, c'est honteux, tu ne devrais pas l'accepter. Chanson aussi. Attention, 3 points pour Guillaume. Je le laisse. Si là, c'est la victoire pour le centain. Oh non. Oh non. Mais il est fan. Il est fan. En référence à quoi? Lady Gaga. A-t-elle choisi son nom? Quand même. Enfin, j'ai aucune idée, son grand-père. J'ai donné une autre chance que tu peux vraiment trouver. Avec ta culture musicale. Ah si, Radio Gaga de Queen. J'ai envie de te donner. Si, ça vaut combien de points? C'est 3 points, mais bon, ça donne la victoire. Mais tu vois comment ils sont eux? Bah, tu sais quoi, je donne pas le point. Mais quel serpentin. J'aurais voulu. Bon, je donne pas le point. T'as vu comment ils sont? En vrai, je suis pouf-souffle. Allez! Vraiment pas naturel. La BO de quel film Crazy Frog a-t-il repris dans son premier succès, Axel F? Mange-toi 3 points là. Shrek. Je te la fais. Le flic de Beverly Hills. Voilà. Allez, fais péter un duel. Oh, le duel. Eh ben, je vais prendre Pierre. Oh là là. C'est-à-dire que t'es sûr que Daniel. Citer un maximum de répliques cultes, la cité de la peur. Condomime. J'ai pas de mémoire pour ça. Allez, combien? 3 et 13. Quelle culture cinématographique pour Cross? Allez. Fourre-tout. Quel chanteur français, leader du groupe Noir Désir, a été condamné pour avoir tué sa compagne Marie Trintignant? Bertrand Cantat. Allez, 2. 2 points là-dessus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, yeah. Quel mauvais message sur ça. J'ai honte de ce braquage parce que je crois que sur 4 cartes, vous avez dit c'est une blague. Le nombre de points entre ça, Ronaldinho, M6 de points. C'est le jeu, c'est à la ref. Hein. Pierre, t'as eu la ref. J'ai pas été très bon, j'ai fait 10 points moi, j'ai fait 10 points. Ouais, 13. 13. À la ref, c'est tout ce qui est ambiance un peu, effectivement, très à la poursuite, mais en plus simple. Très très bien, t'as la ref. Merci à vous trois d'avoir participé à cette vidéo. Merci à Talaref. Le lien est évidemment dans la description.
description pour le commander, il est dispo partout. À partir de la publication de la vidéo, donc aujourd'hui jusqu'au 1er décembre, donc du 24 novembre au 1er décembre, moins 20% avec le code, promo Pierre Noël. Allez petit Pierre mot, t'as la ref, vous avez la ref. Voilà, donc profitez-en. Allez, merci à vous trois pour cette vidéo. On va finir sur une chanson générique en sonnerie téléphone portable. Tin, tin, ta 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 ta